Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer une mauvaise nouvelle pour la chaîne. Elle vient d'être démonétisée par YouTube. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne comprends pas. Alors, si c'est pour mes opinions, alors où est donc la liberté d'expression? C'est un vrai problème, un vrai, vrai problème. Alors, que faire? Eh bien, je vais voir, j'ai fait appel. Enfin, j'ai essayé parce que YouTube est un monstre. Donc, j'ai envoyé un email. Je vais attendre la réponse de YouTube et je vous recontacterai ensuite. Et donc, voilà la revue de presse de ce jeudi 13 juillet. À bientôt. Forces conducted a series of drone strikes across Ukraine for two nights in a row, likely in a demonstrative response to the 2023 NATO summit in Vilnius and to threaten the Black Sea grain deal. Meanwhile, Ukrainian forces continue the counteroffensive operations on at least three sectors of the front, which is here, here, and in this area, and made gains in some of the administrative border between the regions of Zaporizhia and Donetsk in this area. Here, Russian and Ukrainian forces continued ground attacks along this administrative border, with Ukrainian forces pushing. The Ukrainian General Staff reported that Ukrainian forces continued offensive operations in this direction towards Berdyansk. The Institute for the Study of War says Russian Defense Minister Sergei Shoigu attempted to portray the Ukrainian counteroffensive as a failed effort against the backdrop of the NATO summit in Vilnius. Aujourd'hui, la guerre d'Ukraine, c'est devenu ce qu'on pourrait appeler une guerre à viande. Parce que, mis à part de tuer des pauvres types pour rien, côté ukrainien, ça ne changera absolument rien. Je vous donnais l'exemple de la fameuse contre-offensive. Alors, premièrement, quand on fait une contre-offensive, on l'annonce pas tous les quarts d'heure. Attention, ma contre-offensive arrive. Oui, je t'attends. Oui, mais elle va venir. Je t'attends toujours. Donc, et résultat, une contre-offensive militaire. Un mec assez exceptionnel dans les milieux de la défense, qui est Benoît Billan, qui a magnifiquement traité ce sujet-là. Une contre-offensive, c'est assez simple. Il faut avoir un appui aérien, une supériorité en nombre, une supériorité en matériel. L'Ukraine n'a aucun des trois. Donc, résultat, elle a envoyé ses soldats au carton. Bon, pourquoi? Comme toujours avec l'administration ukrainienne actuelle, pour pouvoir augmenter les arrivées financières, particulièrement plus que de matériel, de la part des sponsors. Où passe cet argent? Laissons à la justice le soin d'eux. Bon. Donc, objectivement, c'est une guerre qui est perdue. C'est une guerre aux conséquences géopolitiques. Perdue par. En tout cas, perdue. Ingagnable. Ingagnable par l'Ukraine. La Russie aura la protection des populations qu'elle est venue chercher. L'Occident. Parce que ce n'est pas une guerre ukraino-russe. C'est la totalité de l'état-major de l'OTAN qui n'arrive pas à reprendre les 100 et quelques mille kilomètres carrés que la Russie a pris. Donc, résultat, pour l'ensemble du monde, le message est très clair. Une armée nationale seule, alors tu peux me dire, avec Prigogine, c'est moins d'un cinquième des membres du groupe Carrefour. Hein. Donc, quand on en fait l'armée du Deus Ex Machina, faut quand même arrêter des bêtises. Et de l'autre côté, avec quelques mercenaires tchétchènes, eh bien, cette armée-là a T'en as résisté pensé à quoi la de la rébellion totalité. Prigogine, justement? C'est un condottiéré qui voulait du blé et qui a fait une grève militaire pour avoir du fric. Bon, ok, d'accord. Alors, il est un peu fantasque, comme souvent les mercenaires. Hein. Nous, en France, on connaît. Il y a une belle on a eu un mec perruque, oui, extraordinaire qui s'appelait Bob Denard. Donc, si tu veux, ça ne m'impressionne pas. Alors, les Occidentaux, ah, ça y est, j'oublierai jamais, là, tu avais une analyste ukrainienne. À vue de nez, demain, 18h45, le Kremlin est à nous. C'est pas la poésie, ça? Non, oui, ça, je crois, ça, oui. Ça, sur LCI, hein, champion, celle-là. Donc, bon, pourquoi pas? Alors, il faut dire, on a eu un défilé. Il y avait BHL aussi, non, qui disait que c'était pas loin. De toute façon, pour lui, rien n'est jamais loin, de toute façon, à ce niveau-là. Si tu veux, cette guerre a été régressive en termes de rapports normaux entre les nations. Je te donnais le dernier exemple en date.
l'Union européenne fait un sommet avec les États latino-américains. Elle exige que les États latino-américains signent une déclaration que les eurocrates avaient préparée condamnant la Russie, et la totalité de l'Amérique latine leur a dit on vous a pas déjà foutu dehors, vous ? Non, la mémoire va finir par nous revenir. Tu vois, donc, si tu veux, l'Occident apparaît aujourd'hui comme un impérialisme qui n'a plus les moyens de ses prétentions, le monde entier est au courant, et nous, on s'enfonce, on creuse. Je vais te donner un exemple qui, moi, m'a à la fois écœuré et choqué, c'est que quand l'Union africaine a mandaté l'Afrique du Sud pour avoir un plan de paix sur l'Ukraine, ce qui est... Non, mais... Pourquoi c'est là, tu rigoles ? C'est là, c'est des États comme les autres. Excuse-moi, ils ont... Pourquoi pas ? Pourquoi tu rigoles, Stella ? Stella, tu files un mauvais coton, je te le dis tout de suite. Or, le problème, c'est que quand ils arrivent en Pologne, la totalité de la garde du président sud-africain est arrêtée par les services polonais. Et je pense que si on veut comprendre les causes de cette guerre, la première chose est de fermer la télé, d'arrêter d'écouter les proclamations officielles des dirigeants des États-Unis, mais plutôt de lire ce que leurs stratèges avaient écrit et disent, et qui est la vérité de leur analyse, de leur stratégie. Zbigniew Brzezinski, en 1997, avait écrit un livre dans lequel tout ce qui se passe aujourd'hui se trouve, expliquant que les États-Unis, pour contrôler l'Eurasie, pour briser un partenariat économique, voire une alliance entre la Russie et l'Europe, devait absolument conquérir l'Ukraine, y installer l'OTAN et tout faire pour diviser l'Allemagne et l'Europe de la Russie. George Friedman, en 2015, a dit exactement la même chose. Nous, États-Unis, voulons tenir en laisse l'Allemagne et toute l'Union européenne. Nous devons empêcher l'Allemagne d'exporter. Nous devons faire la guerre, mais sans envoyer nos troupes. Et le but n'est pas que l'Ukraine gagne la guerre, mais de faire mal à la Russie. En 2015, tout est déjà annoncé. Et la Rand Corporation, le think tank de l'élite US, a publié un long rapport expliquant comment il fallait faire pour provoquer la Russie, l'affaiblir, l'entraîner dans des conflits militaires. L'Ukraine était en tête de la liste des 6 mesures et qu'il fallait tout faire pour que les États-Unis vendent leur gaz et que la Russie ne puisse plus le faire. Vous avez dit, je partage cette idée que vous aviez depuis avant 2014, avant 2014 et avant 2022 surtout, un conflit essentiellement d'ordre politique international, entre la Russie et les États-Unis, en ce qui concerne notamment des questions de sécurité nationale, ce qui était considéré comme des problèmes de sécurité nationale pour la Russie, c'est-à-dire l'avance de l'OTAN, la présence d'armes nucléaires, et un des point clé qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais qui est un point tournant de la relation entre la Russie et les pays occidentaux, c'est le retrait des Américains des différents traités de désarmement qui avaient été conclus durant la guerre froide à partir de 2002. Et c'est ça qui a déclenché chez les Russes une méfiance justifiée d'ailleurs, sur leur sécurité nationale. Mais ces conflits-là, tout existant qu'ils soient, et tout important qu'ils soient pour les Russes, ne sont pas la raison de l'intervention russe en 2022. La raison de l'intervention russe en 2022, le 24 février, c'est la situation des populations du Donbass. Point barre. Et c'est important de comprendre, vous avez évoqué l'article du 12 juillet 2021 de Vladimir Poutine. Alors vous avez mal lu mes livres parce que j'en parle. Et j'en parle, et vous ne parlez pas en revanche de la raison pour laquelle cet article a été écrit. Il a été écrit à la suite de la publication de la loi du 1er juillet 2021 en Ukraine sur la loi sur les populations indigènes. Et cette loi donne des droits différents aux différents citoyens ukrainiens en fonction de leur origine ethnique.
Et certains ont comparé cette loi aux lois, aux fameuses lois de Nuremberg de 1935, qui faisaient une distinction entre les citoyens juifs, enfin les qui n'étaient du coup pas citoyens allemands, mais qui étaient juifs, et etc. Donc on attribuait des droits différents en fonction, non pas de ce que les gens faisaient, mais en fonction de ce qu'ils étaient. Et c'est exactement ce contre quoi écrit Poutine. Et il ne parle pas du tout d'unifier l'Ukraine à la Russie dans son article. Il dit que l'Ukraine est souveraine, indépendante dans ses frontières. Et il le dit explicitement. D'ailleurs, lisez mon livre. Il le cite. Par contre, ce qu'il dit, il dit qu'il n'y a pas de raison de faire une distinction entre Ukrainiens et Russes parce que nous sommes deux peuples frères. C'est ça qu'il dit. Et vous pouvez lire le texte, il est d'ailleurs publié sur le site du Kremlin, où le Kremlin s'en fait erreur. Il y a plusieurs, la BBC en a fait un compte-rendu complet, pas un compte-rendu, une transcription complète. Excusez-moi, dans mon intervention sur les solutions, je n'ai pas eu le temps de dire que Volodymyr Zelensky avait proposé un plan de paix en 10 points, sur lequel on pourra revenir, et Sergueï Lavrov lui a ri au nez en disant qu'il n'était pas sain mentalement. C'est faux. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à, ils étaient tout à fait prêts à négocier sur ce plan. Ça c'est de la désinformation. Vous pouvez donner votre source. Ça c'est de la désinformation. Je veux dire par rapport à une négociation éventuelle, c'est que en septembre dernier, en septembre 22, la Russie a annexé les quatre oblasts Donetsk, Luhansk, Zaporijja et Kherson, y compris des territoires que l'armée russe ne contrôle pas, puisqu'elle ne contrôle que des parties plus ou moins grandes de ces territoires. Biden a porté des mots forts hier, un mot qu'il faut retrouver. Il a expliqué, certes, que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, que l'Ukraine n'était pas encore prête, qu'il fallait qu'elle se mette au pas. Il a expliqué également, et ça s'est passé assez inaperçu, qu'il y avait une corruption encore trop importante en Ukraine. Moi, ça m'a beaucoup étonné, hein, le mot a été lâché. Donc, on sent tout de même que c'est un terme grave, parler de corruption alors que Zelensky est un chef d'État d'un État en guerre. Personne ne peut envier sa situation. Hein. L'Ukraine est dans un État, c'est un désastre. Donc, ce terme-là est un terme très sec. La session inaugurale du Conseil de défense OTAN-Ukraine occupe le devant de la scène au deuxième jour du sommet de Vilnius. L'OTAN n'a pas invité l'Ukraine à adhérer à l'Alliance, mais lui a proposé un engagement de sécurité à long terme et une candidature accélérée une fois que des conditions spécifiques auront été remplies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reproché à l'OTAN de ne pas avoir fixé de calendrier précis, estimant que cette démarche serait perçue comme une faiblesse aux yeux de la Russie. Le président Zelensky tiendra également des réunions séparées avec des alliés clés, parmi lesquels le président des États-Unis Joe Biden, dans le but d'obtenir davantage de soutien. À Vilnius, la capitale lituanienne, les membres de l'Alliance Atlantique ont tenté de donner des gages à Kiev, sans pour autant fixer de calendrier précis. Les observateurs avancent qu'il existe comme un flou maintenu et des promesses qui sonnent comme une volonté de maintenir le statu quo. Du côté du G7, si le président américain Joe Biden s'est toujours montré enclin à assurer une assistance militaire à l'Ukraine, il a cependant toujours fait preuve de réserve quant aux promesses d'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance, s'étant engagé à fournir une aide militaire supplémentaire à Kiev. Si Berlin a annoncé livrer près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine, Paris a, elle, annoncé la livraison de missiles longue portée SCLAP à l'Ukraine. Ces promesses viennent en complément aux dizaines de milliards de dollars d'équipements déjà livrés à l'Ukraine depuis le début du conflit. Côté russe, le Kremlin avait mis en garde l'OTAN sur les conséquences très négatives pour la sécurité européenne d'une adhésion de l'Ukraine. Le sommet de Vilnius sera-t-il le début de la fin pour le président Volodymyr Zelensky? Les membres de l'OTAN ont affirmé en Lituanie mardi que l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN, mais le secrétaire général de l'organisation atlantiste, Jens Stoltenberg, a précisé que Kiev la rejoindrait quand les conditions seront réunies. Agacé, Volodymyr Zelensky a multiplié les déclarations d'hostilité contre ses bailleurs de fonds ces dernières 48 heures, notamment sur son compte Telegram où il a tout bonnement écrit à propos de l'OTAN et de l'indécision à intégrer son pays,
l'incertitude est une faiblesse, et d'ajouter qu'il semble qu'il n'y ait aucune volonté de faire de l'Ukraine un membre de l'Alliance, et même de s'emporter en affirmant que l'Ukraine mérite le respect. Le président s'est même essayé une étonnante formule mardi soir en déclarant que l'OTAN donnera à l'Ukraine la sécurité, l'Ukraine rendra l'OTAN plus forte. Plus de 500 jours après le début de la guerre, le président Zelensky, largement soutenu par la presse occidentale et adulé par ses homologues, pourrait commencer à voir son image écornée par son trop-plein de critiques à l'égard de ses aimables donateurs. L'ancien acteur, impliqué dans l'affaire des Pandora Papers, dispose de casseroles suffisantes pour être évincé rapidement. Il suffira pour cela de mettre en avant quelques mouvements financiers pas clairs. Si cela demeurerait un désaveu pour ceux qui l'ont canonisé de son vivant, cela n'empêchera pas de se débarrasser de ce président s'il se montre trop encombrant. Vous avez relayé un très bon article du Figaro qui nous parle notamment, on va en parler rapidement, mais selon l'hebdomadaire Newsweek, la CIA aurait déployé en Ukraine depuis le début de l'invasion russe des personnels moins d'une centaine à la fois afin d'assurer diverses missions dans la lutte contre la corruption florissante compte tenu de la quantité et du prix du matériel livré à l'Ukraine. C'est dans le Figaro. C'est un très bon article, notamment, comme quoi, finalement, les Américains envoient quand même du personnel pour, notamment, lutter contre la corruption. On vous en parlait tout à l'heure. C'est des pans de la guerre en Ukraine qui sont quand même passionnants, finalement. Oui. Cette guerre est passionnante. Alors, vous voyez, tragique, mais passionnant. On peut comprendre que Biden a parlé de corruption hier. Ouais. Évidemment, bon... c'est un sujet très tabou parce que l'Ukraine est un peuple aujourd'hui en souffrance, un peuple qui vit une guerre, donc il y a par politesse et par respect, nous n'osons plus poser des mots sur une réalité, mais n'oublions jamais que c'est un des pays les plus corrompus d'Europe. Pour les États-Unis et l'OTAN, l'intégration de la Suède est une petite victoire. Washington et ses alliés pourraient se contenter de ce pas en avant et envisager de reculer à terme sur la question de l'intégrité territoriale ukrainienne. En effet, si maintenir ses acquisitions territoriales est décisif pour le Kremlin, les alliés occidentaux n'ont pas cet impératif auprès de leurs opinions publiques et pourraient faire une croix sur plusieurs oblasts. Quelle partie de l'Ukraine la Russie veut-elle récupérer? Quel compromis l'Alliance Atlantique est-elle prête à faire? Quoi qu'il en soit, une fois la guerre finie, chacun se félicitera d'une forme de victoire. L'Europe et la France auront, eux, une nouvelle fois été affaiblis. Le sommet de Vilnius marque également la deuxième année consécutive où l'Alliance Atlantique a invité quatre pays d'Asie-Pacifique, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. L'OTAN justifie ces invitations en disant que les développements dans l'Indo-Pacifique peuvent avoir un impact direct sur la région euro-atlantique. Mais le président français Emmanuel Macron a réitéré mercredi sa conviction que l'OTAN devrait éviter de dépasser son champ d'action géographique initial. J'ai pu dire, moi, avec le plus grand calme je crois la plus grande clarté, que l'OTAN devait avoir des partenaires avec lesquels on gère des grands sujets de sécurité. L'Indo-Pacifique, l'Afrique aussi, le Proche et le Moyen-Orient. Pour autant, là aussi je suis un esprit sans doute un peu simpliste, elle restait une organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et quoi qu'on dise, la géographie est têtue. L'Indo-Pacifique n'est pas l'Atlantique Nord. Et donc nous ne devons pas donner le sentiment que l'OTAN, en quelque sorte, construit des légitimités, une présence géographiquement installée dans d'autres zones. La Chine a le meilleur bilan concernant la paix et la sécurité. Nous n'avons jamais envahi un pays, ni participé à une guerre par procuration. Nous n'avons jamais mené d'opération militaire mondiale, menacé d'autres pays par la force, exporté une idéologie ou interféré dans les affaires intérieures d'autres pays. Nous ne constituons pas ni ne participons à des groupes militaires et nous sommes opposés à l'utilisation de la force ou de la menace de la force dans les relations internationales. Alors comment une telle Chine pourrait poser des défis systémiques à l'OTAN ? La Chine déclare que la prospérité et la stabilité de l'Asie-Pacifique dépendent du respect mutuel et d'une coopération ouverte. L'incursion de l'OTAN en Asie-Pacifique ne fera qu'aviver les tensions et conduire à une confrontation entre blocs. Et l'Asie-Pacifique n'a pas besoin d'une version Asie-Pacifique de l'OTAN. La Chine exhorte le bloc à abandonner la mentalité de la guerre froide et l'état d'esprit à somme nulle et à jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité dans le monde. Il y a l'annonce de l'OTAN concernant la Chine.
Le communiqué de l'OTAN affirme que Pékin défie nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs. Donc, au-delà de ces, de la préparation des élections aux États-Unis, il y a également peut-être une menace qui pointe son nez dans l'Indo-Pacifique, qui peut-être pousse certains stratèges américains à repenser le redéploiement d'une stratégie peut-être un peu moins concentrée. Alors, c'est mon hypothèse, elle n'engage que moi. De se concentrer un peu moins sur l'Ukraine. Hein. Ça fait 16 mois qu'on y est. Bon, ben, on est dans un bourbier, ça n'avance pas. Et de pousser peut-être stratégiquement ailleurs. Le géant technologique Microsoft se rapproche de son plan de rachat de la société des jeux vidéo Activision Blizzard. Cela intervient après qu'un juge américain a donné le feu vert à cette transaction de 69 milliards de dollars, malgré l'opposition de la Commission fédérale du commerce des États-Unis. Et si cela aboutit, cela constituera l'accord le plus important jamais conclu par Microsoft et la plus grande transaction de l'histoire du jeu vidéo. Et peu après cette décision, l'autorité britannique des marchés et de la concurrence a déclaré qu'elle étudierait les propositions de Microsoft pour résoudre les préoccupations liées aux dispositions anti-monopole au Royaume-Uni. Beijing a confirmé que l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, effectuera une visite en Chine du 16 au 19 juillet, comme convenu par les deux pays. Ce voyage intervient un mois après celui du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et une semaine après celui de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Les deux parties échangeront leurs points de vue sur la coopération bilatérale en matière de lutte contre le changement climatique. La Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique après le passage présumé d'un avion espion américain près de son territoire. L'information diffusée par la télévision publique nord-coréenne a été fermement condamnée par Washington. Les pays voisins, notamment la Corée du Sud et le Japon, restent en alerte. Cela faisait trois mois que le régime nord-coréen n'avait pas effectué de tir de missile intercontinental. Selon les experts, le projectile aurait volé pendant 70 minutes et atteint une altitude maximale de 6 km avant d'atterrir dans les eaux internationales entre la péninsule coréenne. L'Arabie saoudite vient de faire une annonce époustouflante sur le marché du commerce pétrolier. Elle a surpris tout le monde en dévoilant ses projets de réduire davantage l'offre de pétrole. Ce qui rend cette décision encore plus frappante, c'est qu'elle intervient juste après les limites de production déjà convenues par le groupe OPEP. Préparez-vous, car les répercussions de cette décision pourraient avoir un impact direct sur les prix du pétrole aux États-Unis. Il est absolument essentiel d'examiner les conséquences potentielles de ce revirement surprenant. Presque trois mois de conflit et toujours pas de perspective de paix au Soudan, à l'image du bombardement qui a ciblé un marché populaire à Omdurman, dans l'ouest de la capitale Khartoum. Un bombardement qui a coûté la vie à 34 personnes, dont plusieurs enfants. Selon le ministère de la Santé soudanais, la majeure partie des victimes sont des commerçants du marché Malja et des propriétaires de véhicules de transport. Un drame de plus et une nouvelle escalade sur fond de rapprochement quasi impossible entre les deux belligérants, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Dans ce registre, l'Organisation des Nations Unies a affirmé par la voix du chef de la mission pour le Soudan, Volker Perthes, que le pays est sur la voie de ce qu'il a qualifié d'une guerre civile qui serait selon lui susceptible de déstabiliser toute la région. Le diplomate onusien juge vital de demander des comptes aux responsables de crimes dans ce conflit. Les combats qui se déroulent au Soudan depuis trois mois pourraient se transformer en un conflit ethnique, tribal et idéologique, bien plus proche d'une guerre civile totale. Sur le plan humanitaire, l'Organisation internationale pour les migrations avance le chiffre de 3 millions de déplacés après presque 90 jours d'affrontements. Parmi eux, 730 000 déplacés externes dans les pays limitrophes, principalement le Tchad. Un nombre qui pourrait accroître au vu d'une situation politico-sécuritaire dans une impasse absolue,
depuis le 15 avril dernier. Au Soudan, des frappes sont en cours dans la capitale Khartoum, de la fumée s'élevant des bâtiments. Les Nations Unies indiquent que plus de 3 millions de personnes ont été déplacées depuis le début des combats et dont près de la moitié sont des enfants. Au total, environ 13,6 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence et environ 80% des établissements de santé dans les zones de conflit ont suspendu leurs services. De nombreuses familles sont confrontées à des pénuries extrêmes de fournitures médicales, d'eau et d'électricité. Le pays est en conflit depuis la mi-avril, alors que les tensions entre l'armée et les forces phares militaires de soutien rapide ont dégénéré en combat ouvert. Sur ces images, ces personnes se rapprochent de la barrière de sécurité. Toutes appartiennent au Hezbollah. Les individus tentent alors de saboter la zone lorsqu'ils sont ciblés par un drone envoyé par l'armée israélienne en riposte. Les médias arabes font état de 3 blessés dans les rangs du Hezbollah. Un nouvel incident alors que les relations entre le Liban et Israël ne cessent de se tendre. À l'origine, 2 tentes installées par le Hezbollah en territoire israélien. Si l'une d'entre elles a depuis été retirée, Hassan Nasrallah assure dans un discours télévisé ce mercredi soir que ces installations sont en terre libanaise. Juste parce qu'il y avait une tente, la vérité est qu'il ne s'agit pas de 2 tentes, car l'une est sur des terres libanaises, donc il n'y a pas de discussion. L'autre tente est à l'intérieur de la ligne de retrait des fermes de Shiba, que le Liban considère officiellement comme libanaise. Et nous avons mis notre tente là-bas. Nous avons mis notre tente en terre libanaise. Les Israéliens n'ont rien osé faire sur le terrain contre la tente. Les jeunes de la résistance ont pour ordre d'agir si une attaque israélienne a lieu contre la tente. La semaine dernière, un tir de missile anti-char avait été tiré depuis le Liban en direction du territoire israélien. Tsahal avait riposté avec des tirs d'artillerie en ciblant des positions terroristes à la frontière nord. Autre sujet de tension entre les deux pays, la localité de Rajar, située en territoire israélien, mais que le Liban revendique. Le gouvernement israélien a décidé de construire un mur autour de ce village, une décision vivement dénoncée par le chef du Hezbollah. Au sujet de Rajar, c'est la terre libanaise. Les Israéliens l'ont réoccupée, non seulement l'ont réoccupée, mais l'ont clôturée et ont construit un mur. Ils appliquent leurs lois là-bas. Si les habitants du côté libanais veulent construire, ils doivent obtenir une licence des Israéliens. Toutes les dispositions et lois israéliennes sont mises en œuvre dans la partie libanaise de la ville de Rajar. Si jusqu'à présent Israël préfère la voie diplomatique pour régler les tensions avec le Liban, le pays pourrait perdre patience. Les États-Unis multiplient les discussions avec les deux parties, aidés par la FINUL, l'organisme de l'ONU à la frontière, pour tenter de calmer la région. Le président iranien Ebrahim Raisi a rencontré son homologue ougandais Yoweri Museveni à l'occasion de son 2e voyage sur le continent africain. La visite de M. Raisi intervient alors que l'Iran cherche à étendre ses relations étrangères avec les pays en développement et cherche également à diversifier ses liens économiques. Mercredi, il a rencontré le président kényan William Ruto dans la capitale Nairobi. Les deux hommes ont convenu de travailler à l'établissement d'une balance commerciale en envisageant d'augmenter les exportations de thé, de café et de viande. M. Raisi devrait ensuite s'envoler pour le Zimbabwe afin de discuter du commerce et des relations bilatérales avec le président Emmerson Mnangagwa. Et M. Raisi est le premier président iranien à se rendre sur le continent depuis plus de 10 ans. Et dans un tout autre registre en Libye, dans le cadre de ses consultations politiques, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le chef de la mission onusienne Abdoulaye Batili s'est entretenu avec le président du Conseil national libyen, Mohamed El Menfi. La situation politique actuelle du pays a été naturellement au cœur des discussions entre El Menfi et Batili. Ils ont par ailleurs insisté sur l'importance de la participation de toutes les parties prenantes et des institutions libyennes en faveur d'une solution rapide en vue de la tenue d'élections qui répondent aux aspirations du peuple libyen. Le monde évolue rapidement. Plus précisément, il évolue à une vitesse hypersonique. La déclaration de l'agence de presse iranienne IRNA selon laquelle le pays a mis au point un missile hypersonique en est une nouvelle confirmation. Elle explique que le missile hypersonique Fatah développé dans le pays, dernière réalisation du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran,
a été dévoilé mardi matin 6 juin en présence du président Ebrahim Raisi. Il précise en outre que le test a été effectué avec succès le 29 mai. Par conséquent, le pays, qui fait l'objet de sanctions occidentales depuis 44 ans, a réussi à développer une arme que seule la Russie et la Chine possèdent à ce jour. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné l'attaque des éléments armés contre une patrouille de la mission onusienne en République centrafricaine. Une attaque, comme vous le savez, survenue la matinée du 2 juillet dans le nord-est du pays, qui a entraîné la mort d'un casque bleu rwandais. Guterres a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille du casque bleu, ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la République du Rwanda avant de réaffirmer la solidarité des Nations Unies avec le peuple et le gouvernement de la République centrafricaine. Après 7 années de hausse, le nombre de personnes souffrant de la faim s'est stabilisé dans le monde en 2022. De modestes progrès qui ne seront pas suffisants pour atteindre l'objectif d'éliminer la faim en 2030 selon 5 agences de l'ONU. Depuis 2019, les crises du Covid et les conflits armés ont plongé 122 millions de personnes supplémentaires dans l'insécurité alimentaire. Selon le rapport des agences onusiennes, environ 735 millions de personnes ont souffert d'une sous-alimentation chronique l'an dernier, soit près de 9,2% de la population mondiale. C'est en Asie et en Afrique que les populations sont les plus touchées, et si les progrès ne s'accélèrent pas, près de 600 millions de personnes pourraient encore être sous-alimentées en 2030, principalement en Afrique. Les principaux facteurs d'insécurité alimentaire sont les conflits, les chocs économiques et les catastrophes climatiques. Autre problème, celui de l'alimentation saine. En 2022, plus de 3 milliards de personnes n'ont pas eu les moyens de s'offrir un régime alimentaire équilibré. Dénoncé. Donc, à Strasbourg, au Parlement européen, a été le théâtre d'incitines et de protestations contre la politique de pillage des ressources naturelles du Sahara occidental et l'inclusion des territoires sahraouis occupés dans la signature d'accords avec l'Union européenne et l'occupant marocain. L'action de protestation a été organisée par des eurodéputés de bord et de pays différents, au sein même de l'hémicycle, dénonçant ces accords qu'ils considèrent comme illégaux. Cet accord sont entrés en vigueur le 18 juillet 2019 et la mobilisation à Strasbourg se poursuit pour empêcher leur extension. Ces dernières années, l'Allemagne a renforcé sa présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Même si cela implique de marcher sur un fil entre sa sécurité et ses intérêts économiques, la Chine étant le principal partenaire commercial de Berlin. Voici le chef de l'armée allemande, Alfons Mais. Il ne s'agit pas d'envoyer un signal à qui que ce soit. Nous venons de prendre connaissance de la stratégie de sécurité nationale du gouvernement allemand. La Chine y joue un certain rôle. En 2021, un navire de guerre allemand a navigué en mer de Chine méridionale pour la première fois en près de 20 ans. L'année dernière, Berlin a envoyé 13 avions militaires à des exercices conjoints en Australie, le plus grand déploiement de l'armée de l'air en temps de paix. Les éoliennes vont-elles être emportées par le vent ? Fin juin, l'entreprise allemande Siemens Energy, un des 4 principaux fabricants d'éoliennes au monde, a affolé les marchés en évoquant de graves difficultés liées au vieillissement des composants nécessaires à la fabrication des turbines. En une journée, l'action du deuxième fabricant mondial d'éoliennes a chuté de 37% à la bourse de Francfort, soit une perte de valeur de 8 milliards d'euros. 1,4 million de migrants ont demandé l'asile dans l'Union européenne depuis 2014. C'est presque l'équivalent de l'Autriche tout entière. Et ils continueront à venir par millions tant que vous continuerez à les accueillir et à vouloir les répartir. C'est votre faute si certains meurent en mer, prenant tous les risques, motivés par votre laxisme, votre aveuglement, votre humanitarisme dévoyé. Vous voulez organiser leur arriver, mettre en place des taxis des mers, faire le jeu des mafias et des trafiquants d'êtres humains qui s'enrichissent de ce commerce illégal et abject. Ce ne sont pas des réfugiés. Ils ne fuient pas les persécutions. Ils ne fuient pas la guerre. Ils ne sont pas éligibles au droit d'asile. Ils viennent bénéficier de nos allocations, notre générosité sans limite. Ils apportent avec eux en échange la pauvreté toujours, le crime souvent et parfois même le terrorisme. Il faudra choisir soit votre moraline, soit notre identité. L'accueil de millions de jeunes hommes qui ne s'assimileront jamais, comme l'ont montré d'ailleurs les émeutes ethniques qui ont ravagé la France ces derniers jours, ou alors la sécurité de nos peuples et de nos enfants. Comme tous les défenseurs de notre civilisation qui refusent votre folle politique, j'ai fait mon choix, vous avez fait le vôtre et l'histoire vous jugera. Vote is closed and it is rejected. Thereby... La loi européenne sur la restauration de la nature est toujours en vie.
Les eurodéputés ont exprimé mercredi leur satisfaction à l'issue du vote. L'objectif est de restaurer 20% des zones terrestres et marines dégradées dans l'Union. Le texte est passé au Parlement à une très courte majorité. À 12 voix près, l'hémicycle a sauvé cet élément central du pacte vert. La importancia de aprobar esta ley es porque tenemos unos ecosistemas degradados. No todos, pero gran parte. Ríos, humedales, turberas, bosques. Son muy importantes para el equilibrio en la vida, en el planeta. Y muy importante que Europa sea pionera y decisiones que hemos tomado a nivel internacional las cumplamos aquí para que después podamos dar ejemplo en el mundo. Les chrétiens démocrates du Parti populaire européen ont mené l'opposition à cette loi. Ils ont tenté de rallier une partie des libéraux sans succès. La loi sur la restauration des écosystèmes poursuit donc sa route institutionnelle avec 336 voix pour et 300 contre. Mais le texte final est fortement édulcoré avec 136 amendements. Cette issue pour la loi sur la restauration de la nature est un signal positif pour le pacte vert. Cet ensemble de textes doit permettre à l'Union européenne d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Pour la Commission, il y a donc, après ce vote, un sentiment de soulagement. Beaucoup de gens, pour se débarrasser de la France, je rappelle, c'était l'idéologie de Giscard d'Estaing, la France est 1% de la population mondiale, donc ça doit disparaître. Ok, très bien. Il y a des tas de dirigeants qui ne se disent pas ça et qui sont à moins de 1%, hein, on est d'accord. Et ça doit disparaître pourquoi? Pour un ensemble dont la seule chose qu'elle a en commun, c'est de mutualiser des faiblesses et des lâchetés. Bon, à un moment, n'importe qui, au bout de 70 ans d'un projet politique qui a foiré, à un moment, il est temps de vider le frigo. Tu vois, quand le patient est mort, le patient est mort. Ça ne sert à rien de faire un massage cardiaque à un mec qui est en coma dépassé depuis longtemps. Donc pour revenir à notre sujet, voilà. Là, par rapport à l'Europe, ouais. Toi, tu es pour la sortie de la France. Si tu veux, un asile, ça ne se réforme pas, ça se ferme. À un moment, faut... Non mais, si tu veux, vous savez, si les fous étaient moins fous, on arriverait peut-être avec M. Bellamy à faire quelque chose. Ah bah oui, mais si tous les artistes peintres du monde voulaient bien se donner le pinceau. Tu vois, c'est du même niveau, si tu veux, c'est... Et moi, je suis désolé, mais cette pensée magique a déjà épuisé la génération de mon père. Elle a oblitéré le futur de la mienne. Ok. Je rappelle que Jean Monnet, par exemple, travaille pour les Américains, c'est dans sa biographie tout à fait officielle, dès l'époque de la SDN. Donc, si tu veux, à l'exception de Nixon, qui était sceptique, et de Trump, qui était hostile... Tous les présidents des États-Unis ont eu à cœur de créer cette chose et de la maintenir. Là, tu as le retour des germano-américains, ce qu'on appelle les germano-américains au département d'État, de M. Biden. Et Biden fait du maintien de l'Union européenne un de ses buts de guerre pour une raison que d'ailleurs les souverainistes ont expliqué en long, en large et en travers depuis 20 ans, ce qu'on appelle le stratagème des chaînes. C'est-à-dire que quand tu as des pays dont tu veux te débarrasser, soit tu les attaques militairement, ou le plus simple, tu essayes de les fédérer. C'est-à-dire que tu les attaches ensemble, c'est le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, t'en as deux de neutralisés, terminé. La marche des beurs, c'était très politique. Là, il suffit de voir les résultats des comparutions immédiates. Tu pleurais Naël, c'est qui Naël? Ah bon, super. Les flics sont méchants avec toi? Non, je les aime pas, mais je les aimais pas hier, je les aimerais pas demain. Alors pourquoi t'as fait ça? Un, j'avais besoin de nouvelles Nike. Deux, les copains l'ont fait, pourquoi pas moi? Trois, je m'ennuie. Or, le pire, c'est ça, c'est le retour des comparutions immédiates. Il y en a un qui a dit qu'il avait besoin de ce palin de Kellogg's aussi. Hein. Comment? Il y en a un qui a dit ça sur une chaîne. Oui, mais alors ça, si on entre dans le sacré, alors c'est... Non, mais c'était assez édifiant. Voilà, tu vois, donc déjà, par rapport aux anciennes émeutes, elles sont, même déjà par rapport à 2005, elles se dépolitisent petit à petit pour devenir, si tu veux, des relents nihilistes et destructeurs à base parfois ethniques, de moins en moins confessionnels. Parce que, il faut être honnête, les frérots ont raté une partie de leur coup, les frères musulmans ont raté une partie de leur coup, comme l'extrême-gauche d'ailleurs, de récupération. Par contre, tu as des nouveautés dans ce mouvement qui sont certaines, une en tout cas à mon sens positive et les autres négatives. Je termine, j'en ai pour une seconde. Un, la contamination aux villes moyennes suivant la route du trafic de drogue, très nettement. Deux, l'affirmation du pouvoir des bandes criminelles parce que c'est elles qui à un moment ont dit... Maintenant que ça nuit au business, stop. Trois, et c'est le seul point positif, pour la première fois, il y a eu des mouvements de résistance organisés qui n'ont pas été, comme en 2005, écrasés par les flics.
Et tout de suite, nous accueillons cette chère Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Vous vous préparez à faire des feux d'artifice et à aller danser? Oui, bien sûr. ou à me barricader, c'est selon. C'est ça. Oui, parce que ça va être un étrange 14 juillet. Hein. Ah bah oui, on dirait, oui. Vraiment Stéphanie, on dirait que le pays se prépare à une invasion barbare plutôt qu'à une joyeuse célébration. Hein. Il n'est question d'ailleurs dans vos journaux que de festivités annulées, de forces de l'ordre mobilisées et de mesures de sécurité. Et beaucoup de communes qui, soit qu'elles soient frappées, pas qu'elles aient été frappées par les émeutes, soit qu'elles craignent un afflux de visiteurs, entre guillemets, extérieurs, renoncent aux balles et aux feux d'artifice. Par exemple, Montargis, hein, dans l'Seine-et-Marne, qui a été dévastée, qui est encore groggy, dit son maire à France Info. Quand on a un deuil, on ne va pas en boîte de nuit le lendemain, déclare-t-il. Alors, Françoise en a parlé, on en a parlé dans les journaux. Il y a une mobilisation policière vraiment exceptionnelle, hein, même pour un tel jour, autant qu'au plus fort des émeutes, sur deux jours, les 13 et 14, 130 000 policiers hein, devront passer sur le terrain, il y en aura à chaque fois 45 000 sur le terrain, et avec l'appui tout de même, hein, excusez du peu, du RAID, du GIGN, de la BRI, là vraiment, il ne nous manque plus que les paras, quoi. Parce que et le reste défile, en fait. Ouais, et bus, non, les, ouais. Pas de bus, pas de tramway après 22 heures, à 21 heures après Paris, hein, pour casser, il faudra être motorisé. Et vous savez que la vente des articles de pyrotechnie, de feux d'artifice, est interdite depuis quelques jours et jusqu'à samedi midi. D'ailleurs, 150 000 mortiers ont été saisis, ce qui laisse penser que les stocks se reconstituent. Voilà. Et quelqu'un a résumé tout ça sur Twitter. Ils sont à deux doigts de mettre un couvre-feu pour le 14 juillet. On ne peut plus rien célébrer dans ce pays. Et que vous inspire ce dispositif, Elisabeth? De ce climat, oui. Alors, selon Olivier Véran, hein, qui est un peu notre boussole qui indique le Sud, il n'est pas question que le jour où l'on célèbre la France s'efface derrière quelques milliers d'émeutiers. Sauf que c'est exactement ce qui se passe. Et à part que si on en croit Pierre Brochand, il ne s'agit pas de quelques milliers, de 100 à 200 000 Français qui n'ont qu'une idée. Hein, c'est le chiffre qui le... Une évaluation un peu au doigt mouillé tout de même, c'est vrai, hein, mais du nombre d'émeutiers qui n'ont qu'une idée, qui est de gâcher la fête. Je rappelle, pardon, que Pierre Brochand, c'est l'ancien patron de la DGSE, quelqu'un de très informé et qui n'a pas la plume dans sa poche. Alors, c'est une tradition, c'est bien, hein, de toute façon, les quartiers, ou évidemment pas tous les quartiers, mais une certaine partie de la population des quartiers célèbre le 14 juillet et le 31 décembre, hein, des jours de fête, normalement, par des violences, et puis on s'est habitué. Et l'État a peur, et c'est ça peut-être le plus important, il a peur des racailles, hein, ce qui explique la répugnance de nos dirigeants à recourir à la force, il a peur du « qu'en dira-t-on ?». Nos élites ont très peur hein, de ce qu'on va dire d'elles à Bruxelles, dans la presse américaine et évidemment à France Inter, et donc d'être accusées de racisme. Et ça les empêche de nommer ce qui se passe. Alors je cite encore Pierre Brochand hein, qui parle d'une révolte contre l'État national français d'une partie significative de la jeunesse d'origine extra-européenne. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans une forme de sécession culturelle, mais comme ils ne veulent, nos dirigeants ont peur d'en parler. Bien, il parle de problèmes familiaux et de jeux vidéo. Et j'en profite pour dire à ma chère Françoise qu'à mon avis, le problème, ce que reprochent les Français à Emmanuel Macron, très sérieusement, ce n'est pas la verticalité, c'est évidemment la faiblesse. Hein. Et Elisabeth Borne a promis des moyens massifs pour protéger les Français. En somme, on ne peut pas faire respecter la loi, donc barricadons-nous, mettons des armures et des boucliers, mais en fait, rien d'offensif là-dedans. Alors, Emmanuel Macron, pardon, avait promis 100 jours pour apaiser. Mais justement, si vous voulez, on a vécu en quelque sorte 40 ans d'apaisement, notamment vis-à-vis de ces violences urbaines, des émeutes, etc. Ça fait 40 ans qu'on veut apaiser et ça fait 40 ans que la violence monte. Alors maintenant, il ne s'agit plus d'apaiser, il s'agit, c'est ce que veulent les Français, de reconquérir pour l'État le monopole de la force légale. Alors Pierre Brochand
gens espèrent sans y croire vraiment que cette fois il y aura un sursaut. Le plus probable, je suis désolé, chère Stéphanie, c'est que le déni continuera. On va réparer les dégâts, repeindre, etc. Et puis on se félicitera peut-être même qu'il y en ait eu moins que prévu. Et demain, après-demain, la semaine prochaine, on se remettra à chanter sur nos ondes les richesses de la diversité et les beautés du vivre ensemble. Merci Elisabeth. C'est un monstre sacré de la littérature qui s'est éteint. Le romancier franco-tchèque Milan Kundera est mort à Paris à l'âge de 94 ans, a annoncé la télévision tchèque Channel 24. Né le 1er avril 1929 à Brno, en Tchécoslovaquie, il a connu ses premiers succès dans les années 1960 avec la plaisanterie « Risibles amours », puis « La valse des adieux » et « L'insoutenable légèreté de l'être » écrit lors de son exil en France. Chassé de Tchécoslovaquie en 1975, naturalisé français en 1981, il fut un des rares auteurs à être entré de son vivant dans les prestigieuses éditions de la Pléiade. Son œuvre, peinture sarcastique de la condition humaine, a été traduite dans plus de 80 langues. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos.